See how it holds the gulls aloft. Is that not magic, Alex? Now, Alex. Your head. What do you feel? Oh. There is the edge. Only the wind separates you from the rocks. What do you feel? Death! Again! I feel death! Death sits here, perched like a vulture, waiting for you to forget him. Then, always remember the feel of death, Alex. And he'll never be able to take you by surprise. Salut mes petits madouiliens, salut mes petits madouiliennes, toujours un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler d'Harlequin de Simon Windsor. Harlequin est emblématique d'un cinéma australien que j'aime beaucoup, d'un cinéma de l'étrange amorcé par Peter Weir. Peter Weir, certains le connaissent pour le cercle des poètes disparus, pour ses gamins qui montent sur une table. Moi je l'aime avant tout pour La Dernière Vague et pour Picnic Hanging Rock, deux œuvres étranges complètement barrées dès la fin des années 70. Harlequin se situe dans ce même cinéma, dans un cinéma fantastique absolument spécial, très emblématique de l'Australie, où on avait vu d'autres réalisations avec Razorback. Ça tombe bien, je vous parle de Razorback, de son sanglier énorme, parce que c'est le même scénariste que pour ce Harlequin. Harlequin, c'est l'histoire d'un enfant atteint d'un cancer et qui va se retrouver rétabli par un magicien des plus étranges. Et ce magicien va petit à petit prendre de l'importance dans l'entourage du garçon, parce que le père de ce garçon est un sénateur qui peut peut-être accéder à l'une des plus importantes places du pouvoir dans ce pays. Et pourquoi j'aime ce film? Parce que c'est une variation autour de Rasputin. Rasputin, rappelez-vous la Russie, ce moine un peu fou et magicien qui avait sauvé le fils de l'empereur de l'hémophilie et qui petit à petit commençait à gouverner le pays. Et bien c'est un peu la même histoire avec un personnage un peu farfelu, habillé de façon absolument fantastique. Il est entre l'harlequin, le clown, il vole à moitié de temps en temps, il fait de la magie, et qui petit à petit commence à influencer la femme, puis le sénateur lui-même. À travers ce film, le cinéaste et le scénariste veulent avant tout montrer comment la politique n'est qu'une histoire d'influence, n'est qu'une histoire de manipulation. David Hemmings, qui joue le sénateur, est complètement manipulé d'un côté et de l'autre. C'est aussi un film sur la magie. Pourquoi je parle de magie? Parce que moi je suis fasciné depuis tout petit par la magie, et à travers ce film c'est la question de la magie, de son pouvoir de fascination, sur l'idée aussi qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et Harlequin est emblématique, le personnage principal, de cette question, puisqu'il fait des tours, et ça vraiment ça touche les gens. Et c'est aussi un film que j'aime bien parce qu'il est emblématique de ce cinéma australien, comme je vous disais, parce qu'il ne répond pas à des questions, parce que c'est juste à vous, spectateurs, de vous faire un avis sur le film. Et c'est ça le plus important. Moi, j'en ai marre de ces films préfabriqués, de ces films où on nous dit « réfléchis », on nous dit « c'est ça la solution ». Non, Harlequin peut être interprété d'un milliard de façons, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Alors faites-vous votre avis, mais regardez Harlequin, parce que c'est très bien interprété, parce qu'on retrouve Powell, que j'adore, qui jouait dans Le Survivant d'un monde parallèle, un autre film australien, qu'on retrouve David Hemmings, qui avait fait Blow Up, qui avait fait aussi Les Frissons de l'Angoisse, parce qu'on retrouve un cinéaste
qui ne retrouvera, qui n'aura jamais après dans ses années d'Hollywood la même qualité esthétique, un bon scénario, un bon film tout simplement, du plaisir. Je vous conseille donc de regarder Harlequin de Simon Windsor. Da-do-da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